C'est quoi être un homme? Voici un nouveau livre écrit par Jérémy Poulet intitulé Soyez les hommes. Le sous-titre de cet ouvrage est 12 clés pour que les hommes le deviennent et 12 clés pour que les femmes les comprennent. L'auteur était pasteur jeunesse pendant 12 ans et il a aidé de nombreux jeunes gars à traverser leurs défis, à remporter des victoires, à devenir des hommes. Paul dit dans 1 Corinthiens 16, 13: Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Quand Paul dit cela, on comprend bien qu'il ne parle pas du point de vue biologique. Mais de quoi est-il question? Qu'est-ce qu'un homme? Comment devient-on un homme? Sommes-nous vraiment des hommes? Jérémy Poulet répond à ces questions en se basant sur le fruit de nombreuses années de prédication, entretien, témoignage et expérience. Il propose une réflexion. L'auteur nous dit que chaque homme a besoin d'un père. Le regard masculin des autres hommes est capital pour devenir un homme. Même Jésus, en venant sur cette terre, avait un père terrestre. En plus de cela, il a un père céleste. Un homme est courageux, mais par moments, il a aussi besoin d'aide. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé la femme, afin qu'elle soit une aide pour l'homme. Jérémie parle des relations entre homme et femme. Il dit également que l'homme doit avoir un rôle protecteur, qu'il doit être responsable et qu'il doit travailler. Tous ces thèmes sont appuyés par des textes bibliques et par des expériences personnelles. Si vous êtes un homme, lisez ce livre. Si vous êtes une épouse, lisez ce livre pour aider votre époux à entrer pleinement dans sa condition. Si vous êtes une jeune femme célibataire, lisez ce livre et aspirez à bâtir une relation avec un homme qui ressemble les caractéristiques contenues dans ce livre. Ce livre a été écrit par Jérémy Poulet. Il a été publié en 2020 par les éditions Momentum. Je vous en souhaite une bonne lecture.